Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo, retour de course et plus une petite recette que je vous conseille vivement de réaliser. La recette, elle est très simple, rapide et facile et elle ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Mais avant que je vous la montre, commençons par le retour de course que j'ai fait à Auchan. Donc j'ai acheté des fromages frais, zéro matière grasse. En fait, c'est pour moi, mais des fois, il y a mes enfants qui veulent manger. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté deux. Après, j'ai acheté la pâte à pizza que je vais utiliser plus tard dans la recette. Des yaourts pâte patrouille pour mon grand. Donc des yaourts nature, ça c'est pour tout le monde. Donc là, j'ai déjà donné à mon petit, donc c'est pour ça qu'il y a un pot qui n'est pas là. Donc comme il fait très très chaud, du coup, je vais ranger les yaourts au frigo. Après, j'ai acheté les bananes. J'ai pris des oranges aussi. J'ai acheté des échalotes. Donc après, je suis passée dans un magasin africain. Donc, j'ai acheté les bananes plantées. Après, j'ai pris aussi les maniocs, les chikwangos. Donc, on continue avec les courses que j'ai fait à Auchan. J'ai acheté deux avocats, un bouquet de persil, une botte de poireaux. Donc, là, j'avais prévu de faire des samoussas. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté un poireau, le céleri, les persils. Donc, j'ai acheté vanille liquide. J'ai acheté du sirop, ça c'est pour moi. Comme il fait très chaud, du coup, je bois ça avec de l'eau. Donc, ça m'aide beaucoup à m'hydrater. Alors, j'ai acheté du jus. Donc, j'en ai pris deux jus d'oasis parce que c'était un acheté à l'autre, il était à moins 50. Donc, c'est pour ça que j'ai pris deux bouteille. Après, j'ai acheté des poivrons, ça c'est aussi c'est pour faire mettre dans les samoussas, pardon. J'ai acheté une farine. Donc l'indispensable, la pastèque. Alors, des packs d'eau, j'en ai pris deux. On continue avec le retour de course. Donc j'ai acheté des pains de mie, ça c'est pour mon grand parce qu'il n'aime pas la croûte, du coup je lui achète ça. Et ça c'est pour nous, pour le petit déjeuner ou avec pour faire les sandwichs tout simplement. J'ai acheté aussi des chips pour mon grand parce qu'il aime bien, donc je lui fais plaisir de temps en temps. J'ai acheté la salade Batavia. Alors j'ai acheté les cerises, mais ils sont très très chers. Franchement, c'est même pas beaucoup, mais ça m'a coûté 3 euros. Franchement, c'est très très cher. Donc j'ai acheté des pains aux céréales pré-cuits, donc je vais les mettre dans ma friteuse à air. Donc toujours l'indispensable, moi, nous on consomme beaucoup de pastèques, donc là François, il y en a trois. Après j'ai acheté deux nectarines.
Après, j'ai acheté des coupelles de fruits, de pêche. Alors, j'ai pris des abricots. J'ai acheté des cacahuètes comme ça. Alors, après, j'ai acheté deux packs de lait. Franchement, c'était une bonne affaire parce que c'était moins de 2 euros comme ça. Donc, au lieu d'acheter à 9 euros, je les ai eu à 7 euros. Franchement, c'était une bonne affaire. J'avais pris un pack, mais quand j'ai vu le prix, je suis retournée dans le rayon prendre un autre pack. Après, j'ai acheté des compotes comme ça aussi. C'était en promotion. De toute façon, moi, les compotes comme ça, je les achète en promotion uniquement. C'est comme les couches. Donc, il m'a coûté 23 et quelques comme ça. Donc, il y en a 96 compotes. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai eu, les plats que j'ai eu à Auchan. En fait, c'est grâce aux vignettes. En fait, j'ai collectionné des vignettes. Du coup, un plat, il revenait à 3 euros. Donc, tous les plats, je les ai eu à 3 euros, sauf un plat que j'ai eu à 10 euros. Franchement, c'est une bonne affaire. Je me rappelle, il y a 2 ans ou 3 ans, comme ça, ils avaient mis des vignettes comme ça. Du coup, on collectionnait des vignettes. Et on achetait les plats à 1 euro, mais là c'est un peu cher quand même. C'est un plat à 3 euros, mais ça vaut vraiment le coup. Là j'ai eu beaucoup à 3 euros. Franchement, c'est pas cher, ça vaut le coup. C'est pour ça que quand il y a des bonnes affaires comme ça, moi je profite. Donc les plats Pyrex, c'est comme ça, ils sont bien parce qu'ils vont au four, ils vont au congélateur. Donc franchement, c'est pratique. Donc on va continuer avec le retour de course. Donc j'ai acheté les samouraïs comme ça. Donc j'ai acheté les yaourts pour mon grand. Après, je lui ai pris des chaussures. Franchement, c'était une très bonne affaire à Auchan. Les chaussures, elles étaient à 17 euros comme ça et quelques. Mais moi, je les ai eu à 5 euros 40 comme ça. C'était la fin des soldes, c'est pour ça. Mais sans trop tarder, on a fini avec le retour de course. On va attaquer directement la recette que je vous ai dit au début. Franchement, cette recette, elle est hyper facile. Testez, hein. Testez, je vous la conseille vivement. Surtout à ce moment, comme il fait très chaud, on n'a pas envie de cuisiner, on n'a pas envie de rester longtemps dans la cuisine. Vous pouvez faire une recette sympa, donc qui plaît à tout le monde. Donc là, j'ai utilisé la pâte à pizza. Je suis en train de la découper. Donc j'aurais aimé de prendre la pâte à pizza rectangulaire, mais j'ai pas fait gaffe. Mais c'est pas grave. Donc après, je vais venir mettre le fromage samouraï. Donc c'est des petits pains au fromage. Donc vous voyez, c'est pas du tout compliqué, mais mes petites boules sont pas jolies, sont moches. Donc j'avais la pression de mon fils, du coup, alors j'ai fait de mon mieux. Hein.
Après avoir fini de former les boules, donc je vais venir badigeonner les petits pains avec un œuf. Ensuite, je vais rajouter des graines de sésame. Et après, je vais les mettre dans ma friteuse à air. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas la friteuse à air. Vous pouvez faire cette recette dans un four. Donc là, c'est presque prêt, mais j'ai préféré de rajouter encore 5 minutes pour que les petits pains soient bien dorés. Donc regardez à la sortie de la friteuse. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je vais vous montrer comment j'ai dressé ma table. Donc, du coup, on a accompagné avec la salade, des potatoes aussi dans la friteuse à air et l'indispensable, la pastèque. Donc, pour le dessert, on a pris les coupelles de fruits avec les yaourts, tout simple. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner des idées. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour me soutenir pour que ma chaîne grandisse. Donc, moi, je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.